Bonjour, mes amis. Wow, papa craft. Ouah, Papa Craft, Panda Craft. Wow, papa craft. Donc, tu as reçu un kit Panda Craft. À force de voir les publicités sur Facebook, j'ai fini par t'abonner. En fait, j'ai fini par me dire que ça avait l'air d'être pas si mal que ça. Donc, tu peux montrer ce que tu as choisi? En fait, le premier livret qu'on reçoit, on peut choisir le thème. Et après, bah, ces thèmes imposés qui arrivent dans la boîte aux lettres tous les mois. Alors, dans l'enveloppe, il y avait Une carte. Une, t'es sûr? Une. Une carte. Oui, des cartes. Il y a Des trois cartes. cartes sur des thèmes différents. La vie. La vie? Non, la vue. Non. La vue. Oui. Les sons. Ça fait partie du thème des sens. Sorcière, sorcière. Sorcière. Je sais bien qu'on n'est pas très loin d'Halloween, mais quand même. Le système Les sept. solaire. L'air. Voilà. Et l'autre? Qui suis-je? Ah, qui suis-je? Les animaux. Les animaux. Tu peux montrer l'arrière des cartes? Quand ça Ouais. Montre derrière, tourne. Tourne. Voilà. Et donc il y a des questions et il faut répondre à la question. Alors moi j'étais surprise de ces cartes parce que je n'avais pas vu sur le site internet qu'il y avait des cartes. Et on n'a pas de classeur, on ne sait pas limite quoi en faire en fait. Mais par contre elles sont très belles, les questions sont sympas. Donc, Oui. voilà, c'est un plus. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé d'autre dans ton kit? Ça. Ça, donc c'est quoi ça? Ah, ça. Non, non, montre. Oui, vas-y, montre. T'as non, ça monte, ça. Ah, tu montes! Montre. Oui, donc à chaque fois, il y a un kit à monter sur un thème différent. Et donc là, Elliot, tu as choisi le thème à la conquête À conquête. de l'espace. Le Voilà, donc on reçoit tout pour monter le kit. Donc là, c'est une fusée. Donc alors, Lui, son kit à lui, là, c'est... pardon. Ouais, c'est version orange, 8-12 ans. Et donc, avec... Donc on a tout ce qu'il faut. Et donc, on reçoit un magazine. Et dans le magazine, il y a des histoires, des jeux et... Ma fils. L'actualité du mois d'août. Un petit jeu, tout sur le thème de la conquête de l'espace. Là, un article sur Claudie Aigneret en bande dessinée, donc c'est sympa. Et puis donc voilà, l'activité à monter. Donc c'est bien détaillé, hein, je pense que ça va être assez simple à monter. Oui. Ouais, elle est habillée avec son costume pour sortir dehors. Enfin, dehors, dans l'espace. Ma chambre de l'espace. Donc, des reportages photos. Là, une autre bande dessinée. La question du mois, pourquoi les chauves-souris dorment-elles la tête en bas? D'autres jeux? Le morpion des insectes en pâte à sel. Et pour Halloween, ça serait sympa de faire le morpion des petits fantômes ou des petits squelettes. Ouais. Des petites. Ou avec des hiboux. On pourrait faire ça avec des Oui. hiboux. Info insolite sur les insectes. Des jeux. Je réfléchis. Je et je réfléchis. Je ne sais pas s'il y a une différence. Et le dico du mois. Et donc, on sait, le mois prochain, c'est sur la circulation sanguine. C'est sympa parce que la circulation sanguine, quand tu n'as pas d'activité manuelle avec, c'est quand même assez complexe à comprendre. Et là, je pense que ça va être facile. Et un petit quiz pour finir. Et voilà, je crois qu'on a tout, hein?
On a tout montré ce qu'il y avait dedans. Maintenant, on va monter. Oui, ça. Et puis, on va vous montrer une fois que c'est fini. Oui. On fait une pause. Oui. Alors, voilà. Pour l'instant, le lanceur est construit. Tournez, il y a de quoi qu'on voit tout. Ça va, en fait, c'était pas difficile à construire pour l'instant. Pourquoi tu mets ton nez dans l'œil? Ok, bon, prochaine étape, assemblage du système de propulsion. Voilà, donc la construction est finie. C'était plutôt facile, hein. Je t'ai aidé un petit peu, mais pas tellement. Tourne, qu'on le voit bien. Ça s'emboîte bien, c'est de qualité tout à fait correcte. Et puis c'est très bien expliqué, franchement, il n'y a pas à se tromper. Donc maintenant, on a fini l'étape de la construction. Super, bravo. Et on va passer au lancement. Oui. Tu filmes là? Oui. Oui. Bon, en fait, on avait oublié de monter les fusées. Ça a beaucoup moins bien marché. Donc on a construit une fusée qui est là. Et donc maintenant, je monte la deuxième fusée parce qu'effectivement, c'est pas si simple et ça demande de la concentration. Donc Elliot en a un petit peu assez. Donc on inverse les rôles. Coucou maman. Coucou maman. Oui, qui y a? Coucou maman. Caché maman, coucou maman, caché. Coucou maman, caché. Ça c'est les mamans ogres qui font ça, non? Quoi? C'est les mamans ogres qui font ça. Ouais. Bon, en fait, pour le deuxième, comme d'habitude, on ne savait pas comment monter. Une chose, pour le deuxième, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Yeah. C'est juste de coller les petites mousses chocolantes là, aux bons endroits. Oh, pipiette. Oh. D'assembler ensemble. Maman, regarde. Qui a et B. Regarde. C'est sûr que là, les gens, les copains, ils voient vraiment comment on fait pour construire la fusée là. Non, ça y est, t'es revenu. Est-ce que t'es parti? T'es pas obligé de filmer le bazar, hein, je t'assure. What the fuck is yeah. Tiens, petit qui? Alors, deux. Oh là. Elliot? Quoi? Es-tu toujours avec nous? Oui. Oh là là, arrête un petit en fait, oui. Je crois que c'est la partie qui est censée être la plus facile. Ah oui, c'est parce que ça se croise dans les murs. Et pourquoi ça bloque? C'est bien? Oh! Le lancement! Tiens, maman! Bon, voilà! En fait, nos fusées sont prêtes et on a testé en intérieur comment lancer les fusées. Je vous avoue, on a mis 3 essais avant de trouver la bonne technique.
Alors, Elia, t'as un petit peu de mal à ton élastique. C'est assez dur. Je pense qu'on pourrait le détendre parce qu'en fait, ça se règle là. Et sinon, en fait, je l'aide parce qu'effectivement, il faut vraiment tendre l'élastique à fond. Tu veux que je t'aide, Elia, pour tendre l'élastique? Oh oui! Tiens, vas-y. Yeah. Alors, voilà. On tend l'élastique et on le met dans le crochet. Donc, ça demande un peu de dextérité. Ça, ce sont les mousses qui nous permettent de régler la position. Ensuite, on pose la fusée. C'est la classique Emmanuel. Là, en fait, ici, dans le V formé par des élastiques, avec cette indication qui nous est donnée là. Et on y va. Qui c'est qui fait? C'est toi? Attention, c'est parti! Pose-le sur la table. Non. Tu veux le mettre où? À table. Là, on va mettre là. Oui, vas-y. Oui, si on veut. Lancement réussi! Tu veux lancer la deuxième? Oui. Oui? Attends, je fais une petite pause. En fait, on pourrait faire un concours de... deux fusées pour savoir celle qui va le plus loin. Donc. Bon, on arrête la vidéo? Attends. Ouais. Alors, Eliott. 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 Oh. Oui. C'est bien? Allez, salut! I need you to hear and don't show.